first, good afternoon all, and I'm very pleased and honored to be with you today. And I'm very impressed by all the workshops I've seen and the networking and the way people share their experiences. I think that we have many, many potential economic and social models in the digital revolution in Africa. I think we are in a very specific situation where we were in many economic fields, we were in a backward situation. And today we find in digital technology an opportunity to leapfrog and to go very fast in our new developments. And this is quite typical of development, this ability to go from a very archaic economic system to not the technology of yesterday or the day before yesterday, but the technology of tomorrow. And it leaves the observers always very surprised. But it has been typically what has happened in the 19th century for Germany, for instance, coming from a very archaic agriculture-based economy to the very first in terms of the new manufacturing industry. It has been very typical of Japan, end of the 19th century, and then again mid-20th century. And it's quite typical of what is happening in Africa and leaves the observers very surprised. You have the feeling that this is just not possible. How could you have a development of access to internet, a development of digital economy, when you have not electricity for 70% of the households in sub-Saharan Africa, when you have education problems, and people look like unable to read and write, except that they are very efficient users of the digital tools. So a lot of bottlenecks just were fiction. I mean, and it's Africa is able to adapt itself very efficiently to the new technologies. And it's a total surprise for the world, total. The fact that Africa becomes first in some usage of technology, and the fact that this technology is so well adjusted to our various cultures and can strengthen a lot of cultural and social practices and not a model of an advanced economy, all that, in a sense, is a total surprise. And there is another surprise, which explains that it is efficient all across Africa, is the fact that the government are looking at what happens with very little contribution to what is happening. And it's the first time that you have such an important contribution to development, with all business models being changed, and with the governments who think that they are the driving force for development, who are just observers of what is happening. Okay, they regulate ex post, but in effect, it is the civil society which is totally owner of the development, and it is self-financed, and it doesn't require any state intervention. Again, the governments can discipline, but they discover every day. And when I was prime minister, first time I left my office, the first morning I went to a startup. Very efficient and profitable,
having specialized in one of the neighborhoods of Cotonou in real estate management applications, all the customers being in the USA, and very profitable and very dynamic, with also a very important contribution to the society, the community, by training a lot of people, and namely young girls, in order to push the move of young women to the digital world. So very interesting people. When I came back, I asked the minister in charge of new technology what he thought of this team, a team who has been a bit well known because they helped Stanford University in building their first MOOCs. The minister had no clue, never heard of them. And they were less than 1 kilometer from his office. So you see, not only these institutions are not needed, but they have no easy way to follow what happens. I mean, it can be different in more clever administrations. But it's quite fascinating that maybe the most important phenomenon of the last 10 years in the development in Africa, with an impact on millions and hundreds of millions of people, has been done without the state, main countries. That's really interesting. We also wanted you to talk to us about how a lot of money is invested in Africa to help young entrepreneurs start their own businesses, yet many fail. What do you think needs to be done to create a favorable environment for these kind of startups? And what can governments do? What kind of partners they need to work with? What kind of investments need to be injected? Alors, comme vous êtes francophone, je vais vous répondre en français. Pas de souci. À moins que ça épuise le public, qu'on change. Mais d'abord, je pense que c'est beaucoup quelque chose d'associatif ou quelque chose qui concerne les entrepreneurs entre eux. Donc, si vous voulez, à certains égards, ce qui est fait ici, je pense que c'est très important parce que ce réseau des entrepreneurs entre eux, c'est peut-être le plus efficace parce que le partage d'expérience, la création de communautés, le fait de gagner du temps en s'apercevant que on peut résoudre au fond les problèmes de l'autre et s'enrichir soi-même, le fait qu'énormément de ces technologies, et ça me frappe surtout en Afrique d'ailleurs, soit en open source, avec une volonté, moi ça me frappe, on réunit une cinquantaine d'entrepreneurs à la fin de chaque mois à Cotonou, parce qu'ils ont envie de se voir ensemble, et ils sont beaucoup dans le numérique et dans des technologies nouvelles, mais quand même une grande majorité dans le numérique. Il y a une passion de partager et une volonté, quand ils mettent au point des applications très porteuses, que ce soit en open source. Donc, je pense quand même que ça se passe beaucoup, la création de l'écosystème se passe beaucoup par la volonté des associations, des entrepreneurs eux-mêmes, des fondations, enfin, que c'est d'abord endogène. Et ça, encore une fois, c'est très nouveau. Alors, cela étant, pour créer un environnement des affaires dans ce domaine entrepreneurial, moi, comme responsable public, j'ai été responsable public qu'un an, mais enfin, j'essayais de demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire qui soit utile? Par exemple, est-ce qu'il faut créer des lieux? Est-ce que l'unité de lieu est importante? Est-ce qu'il faut créer des quartiers numériques, des cités numériques? Et alors, ils me répondaient tous, oui, parce que si vous mettez à notre disposition ce qu'il y a de meilleure qualité comme infrastructure, que vous installez ce quartier numérique juste à l'atterrissage du câble sous-marin, au fond, c'est important la qualité de nos infrastructures. Donc, soit vous pouvez nous rendre service, mais on va payer.
on va payer notre loyer, on va s'installer dans la cité numérique. C'est pratique si vous nous trouvez quelques hectares pour qu'on ait une unité de lieu. Mais dites-vous bien que, en fait, on va le faire nous-mêmes quand même, fondamentalement. Donc on n'a pas besoin de vos subventions. C'est la seule profession. Et notamment parmi les jeunes entrepreneurs, c'est quand même les seules professions qui disent on n'a pas besoin de vos subventions. À la limite, vos subventions vont nous alourdir, vous allez sûrement mettre des conditions et ça va nous gêner. Bon. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'on vous aide. En revanche, il y a un chaînon manquant quand même qui est le financement, à la fois le seed capital, au fond, tout ce qui est qui permet de travailler au moment de la phase de recherche-développement, et surtout le early stage, c'est-à-dire quand on commence à avoir des besoins de fonds de roulement, on commence à avoir des besoins d'investissement plus importants. Et objectivement, dans le monde entier, c'est difficile d'arriver à trouver ce qu'on appelle du capital risque, en français, du venture capital en anglais, et qui est, au fond, pas disponible, notamment pour le niveau de somme à engager en Afrique. En fait, c'est plus facile de financer des entreprises qui coûtent plus cher. Et les nôtres ne coûtent pas très cher. Mais du coup, c'est très difficile d'administrer de façon rentable des financements de 50 000 dollars, de 100 000 dollars. C'est un peu la même logique que la microfinance, si vous voulez. La microfinance n'est pas à la portée d'une banque. Chaque prêt est trop coûteux en gestion par rapport à ce qu'il rapporte. Donc, il faut des institutions spécialisées. Je pense qu'il faut qu'on teste le plus possible des institutions spécialisées dans le seed money et l'early stage. Et je pense que le crowdfunding est une des techniques adaptées, et là c'est à l'intérieur même de l'univers numérique, mais je pense que c'est une des techniques adaptées sur ce micro-capital qu'il faut absolument qu'on mobilise. Et franchement, il n'est pas disponible. C'est un aspect d'un point plus général qui est que le secteur privé en Afrique n'est pas financé. Il n'est pas financé, c'est comme ça. Nous avons hérité de la colonisation des économies dans lesquelles la case « je finance les entreprises domestiques » n'existe pas. Et on aura quand même mis 50 ans à petit essayer d'orienter le système bancaire. Alors, il ne faut pas le dire au Maroc, parce que c'est considéré avec l'Afrique du Sud comme le pays où on peut le plus accéder au financement. Mais tout le reste de l'Afrique, entre Maroc et Afrique du Sud, objectivement, il y a quelque chose à faire pour créer un environnement des affaires. Et là, l'État peut être une partie prenante et peut faciliter un petit peu quand même la vie des entrepreneurs. Justement, en parlant du Maroc, beaucoup d'argent a été donné à de jeunes entrepreneurs. Une écrasante majorité n'a pas réussi. Pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui ne marche pas quand il y a des financements? Alors ça, c'est le modèle même du capital risque, si vous voulez. Il y a une mortalité des entreprises qui est très importante. Parce que surtout si vous financez un stade précoce, vous financez des projets, en fait. L'entreprise n'est pas encore constituée autour du projet. L'entreprise, c'est des hommes, des process, une alchimie particulière, et on peut avoir un très bon projet et avoir du mal à en faire une entreprise, à construire une entreprise autour. Donc, il est de la nature des choses, ce n'est pas du tout une anomalie, il est de la nature des choses que le financement de petites entreprises innovantes s'accompagne d'une mortalité élevée. En revanche, et c'est le modèle qui permet au venture capital, au capital risque de vivre, il faut qu'une entreprise sur 10 réussisse et paye tout ce qui a été perdu dans les autres entreprises. Mais c'est la règle, c'est pas une anomalie du fonctionnement. On peut rassembler le plus de moyens, créer des incubateurs, multiplier des facteurs positif pour accompagner les entreprises. Dans un domaine qui n'est pas numérique,
moi, j'ai développé des expériences avec des amis sur des incubateurs dans des villes un peu écartées de l'agglomération capitale, où il n'est pas facile de trouver du crédit, du support, des comptables, des conseils, etc. Et on s'aperçoit que les PME soutenues ont quand même beaucoup, beaucoup plus de chances d'échapper à cette mortalité des PME. Et au centre du Bénin, on a des expériences avec un taux anormalement élevé de succès, si j'ose dire. Bon. Donc on peut faire des gestes qui facilitent. Et ces gestes, c'est vraiment de l'impact financing, parce que ça n'a pas de modèle économique. C'est-à-dire tout ce que vous apportez comme service, vous allez, 5 ans après, si l'entreprise s'est bien développée, en avoir les bénéfices macroéconomiques. Mais il faut, à un moment donné, quand même des ressources de subventions, des ressources d'aide publique, là, si on veut faire baisser la mortalité. Mais ayant dit ça, qui est un peu une exception, il faut qu'il y ait un certain nombre de succès qui balancent, qui compensent les échecs. Donc ce n'est pas une anomalie. Et on ne peut pas reprocher d'avoir gaspillé des ressources publiques en donnant des ressources suffisantes à un grand nombre d'entreprises. Thank you, sir. Do you think there's a correlation between unemployment and the emergence of startups in Africa? Unemployment? Yes, and the emergence of startups in Africa. Do you think there's a correlation between the two? I mean, the main correlation, as far as employment is concerned, is probably with demographics. Our demographics are very peculiar. You see, I'm at an age where I can retire. And I have to be replaced on the labor market by you. But if you take the Benin's figures, when I was born, Benin was a 2 million inhabitant country. Today, Benin is an 11 million inhabitant country. When you were born, Benin was 8 million, say. So 4 times my time. And when I was born, and you can extrapolate those figures to the whole of Africa, sub-Saharan Africa, but when I was born, maybe 1/4 of the people had access to education. To secondary education. Today is 3/4. So you have a country where you have 4 person and far more educated and better educated than during my time, to replace me only. So we have a labor market imbalance that never, ever anybody had. Then you have to create a new economy every 5 years, because you have to create the businesses to be able to recruit, to hire this generation. You cannot rely on the old economy. It's not the companies of my time. It's not the state. You have no more civil servant significant flows of recruitment. So you have to build an innovative economy to hire the new people. And if you do not stimulate innovation, you will have a strict correlation in between this demographic situation and the unemployment, because you have just not the employers to employ. They do not exist. So you have to create self-employment and create new ventures in all possible categories. Not only in the technology, but in the labor-intensive services, for instance. Whatever is labor-intensive will be welcome. And even in agriculture, even in services related to agriculture. And you can then combine new technologies with old sectors and renew completely energy in Africa, agriculture in Africa, using the new technologies. So you will then make available a huge gain in productivity.
But if you do not do that, you have no way to take on board in our economies the new generation. With this paradox, which is only African, that the more you are qualified, the less you have a chance to be employed, because you have not the jobs which are exactly what you anticipate, what you expect, what you want. And when I arrived, I was introduced as having been trained in Paris, in the École Normale Supérieure, then in London, then having been, having got diplomas and so on. In 2016, with that sort of resume, I would have no job. I will be unemployable, except maybe in Paris, but not in Cotonou. So it's very, because I'm graduated in economics, I would not find a job of assistant professor in our university, just because our university, our civil service, cannot take on board all the generation. So this is a paradox. It's the only continent where the more you're qualified, the less you can enter on the labor market. And the only way out of this paradox, which is not a logical paradox, which is a political paradox, with clearly revolutions to come if we do not resolve that, to me, it's absolutely essential to create this fabric of new corporates. I mean, what I've seen in the workshop there, with people showing what each of them, what they are doing, I mean, and teaching and sharing. If we do not create this economy successfully, we will have a serious and unique problem. Because even Asia had not such a high demographic growth. And the correlation in between my ability to create entrepreneurial new ventures and employing the young, the youth, the correlation is one, strictly correlated. But today, you need a very high level of GDP growth to achieve that. I was discussing with the Prime Minister of Ivory Coast. He told me we are at 9% growth of GDP, which looks like the level where you can start to absorb the youth of the year coming on the labor market. 8%. I come from a country, France, a few minutes ago, where you create net jobs at 1.5%. In Ivory Coast, you may be able to absorb the youth on the labor market at 8%. And there is a reason behind that, which is understood by all economists. Our growth is very capital intensive and not labor intensive. We have so much to spend for energy, which is the most capital intensive activity, for water, which follows energy, for agriculture. People ignore that agriculture is extremely capital intensive. So when we spend $1 in Morocco, in Nigeria, in Benin, $1, we create far less jobs than when you spend the same dollar in France, where you have a far more labor-intensive economy because all the infrastructures are in place. You have not to invest. You have to maintain, but you have not to invest from scratch in energy, water, roads, and agriculture, which are the most capital-intensive activities. So you see, it's not a simple equation. And it's not that all the governments across Africa are failing, but you have no more chance of a job in Nigeria than in Benin. Nigeria is 50 times bigger than Benin and 3 or 4 times richer in terms of per capita income. But you have no more chance to find a job
either side of the border, because we have the same equation, which is a sort of absolute priority that the government start to think about, absolute priority to create new corporates. But private sector is very new in Africa, very new. And the governments have no habit to respect and consider the private sector in general. And even more, the young guys, they do not know, even if they are nearby their office, the young entrepreneurs. So you have a revolution, psychological revolution, but it's very recent in terms of accepting this idea. If we do not create new ventures, we will have major security and public order issues, because you cannot keep a well-trained, a far better trained youth out of the labor market. It's not possible. Merci beaucoup. On va prendre des questions de l'audience. Questions from the audience, and we would like it if the first question comes from a lady. Yeah. No ladies there. No ladies? Well, yeah. We have a question here and then here. Alors, bonsoir. Voilà, je me suis présenté déjà le matin, je le refais maintenant. Je suis Onesiphore Nembe. Je suis directeur de publication d'Afrique Progrès Magazine, une presse que j'ai fondée avec un ami ici. Alors, monsieur le Premier ministre, c'est pour nous un honneur de vous avoir voilà, ce soir pour nous éclairer. J'aimerais savoir, vous avez parlé des projets dans le digital qui seraient difficiles à financer par rapport aux plus grands projets. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que lorsqu'on fait un projet dans le domaine du digital, qu'on l'amplifie dès le départ? Ou bien, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il faut aujourd'hui penser à une caisse de secours pour soutenir l'innovation au départ et par la suite envisager un bien meilleur financement, celui que l'État peut avoir plus aisément? Merci. Je ne crois pas qu'il faudra l'appeler une caisse de secours, hein, parce que... si on fait une caisse de secours à l'innovation, c'est quand même un peu pessimiste sur les chances de l'innovation. Non, ce que je dis, c'est que c'est très difficile pour des institutions financières traditionnelles de financer des petits projets. Ça demande d'avoir des institutions qui sont capables de travailler à des coûts très bas. Mais ça existe. La preuve en était administrée avec éclat dans la microfinance. Donc aujourd'hui, on est en train de faire de plus en plus de finances sophistiquées à petite échelle. Et le crowdfunding va être un des instruments. On a du micro-leasing quand il faut financer des équipements. Le problème, c'est que les porteurs de projets n'ont pas de garantie réelle. Ils ne vont pas donner aux banques des garanties réelles sur leur fortune, leur immobilier. Ce n'est pas du tout ça. Donc, il faut qu'on trouve des moyens de financer des projets petits, malgré le coût du traitement du projet et du suivi du projet. Et il faut qu'on trouve le moyen de se passer de garantie, c'est-à-dire de prendre des risques. Or, notre système financier, encore une fois, en faisant exception du Maroc, de l'Afrique du Sud, qui sont vraiment des exemples très différents, et d'ailleurs qui développent leur modèle bancaire un peu partout en Afrique subsaharienne. Mais la réalité d'une cinquantaine de pays en Afrique, c'est que les banques sont risk adverse. Elles ne prennent pas de risques. Et elles ne prennent surtout pas de petits risques, parce qu'elles n'en ont pas besoin. Parce que pour faire vivre une banque, il suffit de financer l'État et de financer le commerce d'exportation et quelques grandes signatures, quelques grandes multinationales.
et de ne surtout pas financer les entreprises à capitaux africains. Et qu'elles ont fait ça depuis 100 ans. Et donc, les amener à prendre des risques, pas seulement en crédit, mais même en capital, c'est quelque chose qui ne peut se faire que par la concurrence. Donc c'est quelque chose qui va être un long processus. Dès que vous avez des banques nigérianes qui sont plus dynamiques, marocaines, qui sont devenues les premières banques de la zone franc en Afrique subsaharienne de la zone franc, ou sud-africaines, dès que vous avez le ferment de la concurrence, vous voyez une évolution du système financier. Quant à faire grandir les projets très vite, moi j'ai un ami camerounais, puisque vous êtes camerounais, qui a fait quelque chose de très intéressant sur l'immobilier, avec l'aide d'un site français qui a très bien réussi, seloger.com, et qui a commencé au Cameroun. Bon, il est en train d'internationaliser maintenant en toute l'Afrique occidentale. Simplement, vous avez besoin, pour grandir, de deux choses. Vous avez besoin quand même d'avoir créé l'équipe, d'être sûr du produit. Et là, vous avez besoin de cette deuxième étape du financement, qui est l'early stage, c'est-à-dire commencer à financer de l'expansion. Or, l'expansion, c'est le deuxième moment où vous pouvez vous ruiner. Vous pouvez vous ruiner parce que vous n'arrivez pas à décoller au démarrage, mais vous pouvez beaucoup plus facilement vous ruiner alors que vous avez prouvé votre succès quand vous grandissez, et notamment parce que vous avez des besoins de working capital, des besoins en fonds de roulement, et que vous ne produisez pas le fonds de roulement. Il est là aussi de la nature d'une entreprise en pleine croissance de brûler du cash. You burn your cash. C'est-à-dire vous consommez beaucoup plus de capitaux que vous n'en générez. Et c'est normal. Et donc, si vous voulez, si vous n'avez pas un système financier qui comprend ça et qui l'accompagne, vous avez un problème. Et nous avons ce problème. Et c'est pour ça que je dis, le financement, c'est indissociable du succès si on veut faire grandir des entreprises innovantes. Alors, c'est vrai dans tous les secteurs de l'innovation, mais c'est notamment vrai dans le numérique. Et aujourd'hui, les gens qui sont prêts à financer du numérique en Afrique, regardez qui finance l'e-commerce en Afrique. Ce sont des capitaux étrangers. Ce sont massivement des capitaux allemands. Jumia, c'est du capital allemand, c'est du capital américain, c'est du capital israélien. Enfin, c'est beaucoup de choses, mais c'est encore assez peu de capital africain. On a une autre question. Voilà. Alors, je dois juste indiquer quelque chose, c'est que Monsieur le Ministre a un avion et qu'il est attendu pour partir à l'aéroport. On ne voudrait pas que vous ratiez votre avion parce que vous êtes attendu au Sénégal, si mes informations sont correctes. Alors, on va juste prendre une dernière question, peut-être Claude, et puis on va devoir libérer le ministre. Ça va être très court. So I'm going to ask this question in English. Lionel, as you know, I spend pretty much all my time promoting digital entrepreneurship in Africa, all over Africa. And what I find is that the best projects that I've seen are either Nairobi or Lagos. So when I was on stage yesterday, somebody asked me a wonderful question, and I'd like to ask you the same question. Do you think we should focus on those two ecosystems in those great cities where a lot of the best projects are and help them to grow, knowing that it might have a ripple effect on other smaller cities that are about digital entrepreneurship, or should we try to build clusters all over Africa? I mean, it's absolutely normal that in Lagos you find the most interesting projects. It's just a question of size, just a question of the abundance of resources. Compare. Benin is a 10 million inhabitant country. We have 800 kilometers of common borders with Nigeria. We are 10, 11 million. Nigeria is 180. Our GDP is $10 billion. Nigerian GDP is 500. 10,
500. So you cannot be very surprised to have more resources available, more brains, more money, more everything. It's just a question of size. Kenya, it's in a sense more interesting because in Kenya, clearly, you had a very favorable ecosystem for startups because they have less resources than Nigeria, but they have more innovation, in a sense. We have a generic problem in French-speaking Africa, I think, which is that we are less business-friendly than in Anglo-Saxon Africa. We change, we make a lot of efforts to change, but the truth is that the governments are obsessed by themselves and absolutely convinced to be the center of the world as an inheritance, a legacy of the French vision of centrality and what is a state. But you know something, in all French-speaking African countries, we as governments deploy the same level of resources in the economy. We collect sort of 15% of the GDP in taxes, 15, 1-5. Not like in the OECD, 36, 15. And we deploy with public development aid and a bit of a budget deficit, we deploy 20% of GDP through the government and public investment and wages and education programs and health programs and infrastructure programs. 20%. Not 40% like OECD, not 55% like France. So our governments have the practice of considering that they are the alpha and omega in the economy, but they do not have the means to really impact the economies. They are massively too poor to do that. And the private sector is the real driving force of our growth. If it were only based on our government efforts, you would have not had any digital revolution, telecom revolution in the last 20 years. It is the driving force is the private sector. This is not acknowledged. This is not recognized as such, but this has to be recognized by the governments. And some governments are dramatically changing in this respect. Rwanda is dramatically changing, Namibia, Ethiopia, and Kenya first of all. They have not killed the mobile payment initiative of Safari.com, the M-Pesa system. Be sure that in any country where the government overestimates its experience, its importance, we would have killed the mobile money. To put in place in Benin the right to pay for your invoices of water and electricity with your mobile phone, it took me 10 months of very hard work against all the conservatism. Okay, Ivory Coast now is going fast. Senegal is going fast. Cameroon is going faster than previously. The Democratic Republic of Congo is going fast. So you have new forces. But the truth is we have to develop advocacy for this move to be across Africa. If not, it will remain in a few temples where you have a business-friendly ecosystem and where the state is not prepared to kill everything which is new. Well, thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup.